Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie, cette fois-ci un tour de magie expliqué. La prochaine vidéo dans 2 semaines sera sur un jeu vidéo, donc Destiny. J'espère que ça vous plaira aussi comme cette vidéo-là. Au niveau du système d'interaction, j'ai eu une réponse, j'ai eu une proposition qui s'affiche maintenant. La seule raison pour laquelle je n'ai pas réussi, oui je n'ai pas réussi à faire apparaître une licorne dans ce tour de magie ou dans cette vidéo, la seule raison c'est qu'on ne trouve pas bizarrement on trouve pas de licorne dans la vraie vie. Hein. C'est bête, franchement. Hein. Mais c'est un jour peut-être, un jour, qui sait, ça se trouve, il y a des gens qui ont rencontré une licorne, hein, mais on ne sait pas. Hein. Donc désolé, hein, mais je n'ai pas réussi à mettre une licorne dans mon tour de magie. Alors sinon, pour le tour de magie donc, de cette vidéo, ça se présentera en 2 parties en fait, une partie démonstration et une partie explication. La première partie, évidemment, je vais faire le tour de magie, comme une vidéo normale, hein, banale. Et la deuxième partie, en fait, j'expliquerai le tour donc, en détail pour que vous puissiez le faire à vos proches, votre famille ou vos amis. Alors, pour ce tour de magie, il nous faut un paquet de cartes normales, dos unique et face. Différentes hein. Pour vérifier vraiment, pour être sûr d'être sûr, on peut mélanger. Voilà. Alors pour ce tour en fait on va piocher un petit paquet de cartes. Voilà. Donc vous allez piocher, enfin vous, quand je dis vous c'est le spectateur hein, évidemment parce que moi je n'ai personne. Donc on va piocher un petit paquet de cartes qu'on va mettre ici. Et avec le reste en fait du paquet de cartes, vous allez piocher une carte, par exemple cette carte là. Je ne la vois pas. Donc cette carte là en fait je vais la mettre sur le paquet. Et le reste du petit paquet qu'on avait pris, je le mets dessus. Donc vous avez le gros paquet, votre carte, et ensuite le reste du paquet. Maintenant je vais décaler ça par là. Et je vais faire en fait une sorte d'horloge. Voilà. Donc en fait c'est tout simple hein, pour comprendre qu'est-ce que je fais. Là c'est une sorte d'horloge. Donc là c'est midi, 11h, 10h, 9h, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Donc c'est tout simple. Et donc en fait si on reprend le paquet de cartes qu'on avait pioché tout à l'heure, on va compter les cartes en fait qu'il y a dedans. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9. Donc ça va être la 9e carte. De l'horloge. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cette carte là sera votre carte. La carte donc que le spectateur invisible a pioché. Donc c'est le 5 de carreau. Alors pour ce tour, donc, pour les tours expliqués, je ne parlerai pas de la mise en scène du tour. Je vous expliquerai juste le tour, comment arriver à faire le tour, c'est tout. Je vous préviens juste. Voilà. Donc alors, pour ce tour, en fait, vous avez 2 manips à faire. Enfin, quand j'appelle 2 manips, c'est 2 trucs à faire volontairement. Sinon, le tour se fait tout seul. Il y a juste, comme je dis, 2 manips à faire. Donc les 2 manips à faire, elles ne sont pas forcément complexes, mais il faut bien arriver à le faire. Alors, déjà, vous dites que vous prenez un paquet de cartes, voilà, normal. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la première manip qui arrive. Vous prenez 13 cartes dans le paquet, pour faire le petit paquet. Alors, comment prendre 13 cartes, vous pouvez essayer de les prendre assez discrètement pour pouvoir ensuite ne pas se faire choper dès le départ. Alors, je ne prenais pas les cartes comme ça, quoi. Ça peut passer, mais c'est très très risqué. En fait, il y a une technique. Moi, je prends une technique, en fait, c'est que je compte toutes les 3 cartes, en fait. Vu que 13, c'est 4 fois 3, plus 1. Oui, je suis fort en maths. Donc, en fait, le truc, c'est que je prends les cartes comme ça. Et puis, en fait, je compte instinctivement. Enfin, ça va tout seul. Entraînez-vous et vous allez peut-être mieux y arriver. Donc normalement je dois avoir 13 cartes, je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, j'en ai pris une de plus, vous voyez. Donc, dès que vous avez votre 13 cartes,
Là, ça c'est tout seul, vous faites sans problème. Vous dites aux spectateurs de piocher plusieurs cartes, par exemple tout ça. Et vous dites après de piocher une seule carte parmi le paquet que vous avez choisi. Donc là, cette fois-ci, ce sera le 7 de pique. Et à ce moment-là, en fait, donc la carte, vous la mettez là. Vous la mettez Donc la carte, en fait, donc le 7 de pique, vous la mettez sur le dessus du paquet. Vous mettez le reste du paquet là. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire la deuxième manip. Donc, c'est qu'en fait, vous commencez toujours par le 11. En fait, vous faites le 12, 12 heures. Et là, en fait, vous partez pas 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous faites 11, 19, 8, 7, 6, 5. C'est très important. Sinon, votre carte, en fait, va se retrouver dans l'autre sens. Et donc, du coup, ça ne correspondra pas au nombre de cartes qu'il y a là-dedans. Donc, 11, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Ensuite, vous prenez votre paquet. Vous comptez les cartes là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, c'est le 7 de pique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Le système d'interaction marche toujours. Donc vous pouvez me proposer des idées moins extrêmes que celles de Ricord. Hein. Que dire de plus? À bientôt, tout simplement.